pas mal, accompagné par les étoiles. Prenait le large, le vent dans les voiles. Tous les jours son père lui disait, quand il remontait les filets, y a tant de poissons dans le Saint-Laurent qu'on en aura jusqu'à la nuit des temps. Et au bout de 40 saisons, le paternel comme de raison décida de jeter l'ancre pour de bon. Le petit pêcheur gaspésien, qui n'avait plus rien d'un gamin, prit la relève du bonhomme au la main. Comme les pêcheurs des environs, il voulut prendre de l'expansion, troqua le vieux bateau pour un plus grand. On ne peut pas arrêter le changement. Le petit pêcheur gaspésien voulait sa bosse avec entrain dans les années 70 et 80. Et pour lui renaître sa business, il prit avec lui ses deux fils, comme le l'avait fait avec les jadis. La pêche était en plein essor, c'était l'époque des grands records. Il revenait chaque jour à marée basse, le bateau rempli de morue bien grasse. Que de la brume à l'horizon, on aurait dit qu'il y avait moins de poissons. Par qu'on y est l'évidence, mais la rumeur courait dans l'anse que l'on aurait surestimé la contenance. Comme il n'y a plus de morue et que les prisons diminuent, les scientifiques ont crié halte là. Il fallait vite imposer des quotas. La morue reviendra bien vite, répéter les plus optimistes, même si plusieurs allaient droit vers la faillite. Beaucoup de jeunes gens de la place, découragés de partir en masse. Y'a pas de job ici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand on voit une économie, toute sur une même industrie, c'est un peu comme mettre ses œufs dans le même panier. On reste le bec à l'eau quand il est vidé. Le petit pêcheur gaspésien sent monter en lui le chagrin quand il voit ses garçons exilés au loin. Les deux ont les pieds bien au sec, l'un à Montréal, l'autre à Québec. Plus jamais ils ne sentent l'odeur du varec. Le poisson est jamais revenu et son beau bateau fut vendu. Il ne lui reste que le paysage et ses souvenirs quelque part au large.